This exam is out of 25 points. Alors, cette épreuve comporte trois parties. Première partie, entretien dirigé. Deuxième partie, échange d'informations. Et troisième partie, jeu de rôle. So, how to prepare for the first part, entretien dirigé. L'examinateur pose des questions au candidat. OK, alors, l'examinateur va poser des questions comme comment vous vous appelez? Quelle est votre nationalité? Parlez de votre famille. Okay, so in summary, we're saying this part, the examiner is going to ask some questions to the candidate who has to appropriately respond to the questions asked. Deuxième partie, échange d'informations. Alors, on vous donne six cartes sur lesquelles figurent les mots-clés et ainsi que les billets et les pièces de monnaie. So in this section, the candidate is given six cards from which he has to ask six questions to the examiner. So the cards will have words like nom, enfant, sport, profession. The target here is that you should be able to vary your questions to the examiner. Troisième partie, jeu de rôle. Le candidat est le client et l'examinateur joue le rôle de vendeur. Le candidat doit demander un ou plusieurs produits parmi ceux présentés sous forme d'image, la quantité, le prix et autres éventuelles informations, puis il doit payer. So the candidate has to play a jeu de rôle in different situations and he has to ask for service, he has to ask for give quantity, ask for price and finally be able to pay. Now, it's very easy to pass in this exam if you just follow the steps and do practice in your speaking exam. Remember to subscribe.